Salam la team, salam à tous les supporters des Fenech, salam aux abonnés de la chaîne et à ceux qui verront la vidéo. Petite vidéo à l'approche du dernier match de ces premiers tours de qualif, suite au match 3-3 face à la Zambie. J'avais pas fait d'avant-match, d'analyse avant-match, enfin, analyse. Je m'appelle pas ça vraiment des analyses, mais parler un peu du match. Parce que bon, ça faisait longtemps de toute façon que j'avais pas fait de vidéo. Mais là, je voulais parler un peu de tout ce qui était au niveau de la liste de Jamel Belmadi. Depuis la CAN 2019, de toute façon, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Il y a des choses que je trouve totalement incohérentes dans ses choix. Et donc, j'aimerais en parler avec vous. Et que vous me donniez aussi votre avis sur ça en tant que supporter. Et j'ai mis donc la liste de pour moi déjà dans chaque compartiment ceux qui vraiment ne doivent pas être là. Des fois c'est même illogique qu'ils sont là. Et voilà, j'arrive pas à comprendre. Donc on va parler déjà au niveau du gardien. On a donc Mbolhi, Alexandre Oukidja et Hasdine Doucha. Qu'est-ce que fait Hasdine Doucha ici? On a deux gardiens, Raïs Mbolhi, c'est normal, 34 piges, Alexandre Oukidja, 32 piges, Hasdine Doucha, 34 ans. Qu'est-ce qu'il fait là? On n'a pas des autres gardiens à tester, des jeunes du championnat, des plus jeunes, je ne sais pas, pour préparer quelque chose, l'avenir, etc. On met que des gardiens de 34 ans. Et dans 2-3 ans, tu n'auras plus quoi faire. Voilà, on va mettre trois nouveaux, je ne sais pas. Personnellement, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il fait là? Pour moi, on doit faire venir d'autres joueurs, d'autres gardiens, tester à l'entraînement, voir ce qu'ils valent, etc., etc. Tester par l'entraîneur des gardiens, tester par les attaquants, donner un conseil à Belmadi. Ouais, celui-là, il est bon. Il est bon, voilà, l'entraînement, on a vu, je sais pas, Mahrez, Feghouli, etc. Les buteurs, Slimani, voilà, conseiller le coach, dire, nous, en tant qu'attaquant, on voit qu'il est bon. Même face à nous, l'entraînement, il est bon. Je ne sais pas, c'est ça, pour moi, une équipe, en tout cas. Ou, en tout cas, une sélection nationale. Ensuite, au niveau des défenseurs, on a Mehdi Tahara, je ne comprends pas pourquoi aussi il est là. Je précise qu'il n'y a rien de personnel avec tout ça, de toute façon, voilà. On les connaît pas, donc voilà, c'est juste des joueurs algériens. Ils représentent l'Algérie, donc on les supporte. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il a vraiment le niveau pour être là pour la suite? Non. Entre Mandi et Ben Lamri et Taharat, il y a une grande différence de niveau. Ben Lamri, Mandi, oui. Taharat, non. Il n'a pas le niveau des deux. Et en tant que remplaçant, même en tant que remplaçant, moi, ça ne me donne pas satisfaction. Là, sur cette liste-là, il y a Bedaran. Pourquoi Belmadi ne l'a pas fait jouer ces deux matchs pour voir vraiment ce qu'il valait? On a Ahmed Touba qui est venu. Pourquoi il l'a pas fait jouer concrètement? Ou les deux matchs, ou un chacun. Pourquoi il s'obstine avec Mehdi Tahara, 31 ans? Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je l'ai vu face au Mexique. Pour moi, il est responsable sur le premier but. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo, vous pouvez aller la revoir. Il n'a pas le niveau pour moi, donc j'arrive pas à comprendre. Si certains me disent qu'il a le niveau et qu'on n'a rien de mieux à proposer en Algérie, c'est très 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 grave. Vraiment, c'est grave. C'est vraiment que là, c'est catastrophique. Et pour moi, je sais qu'on a mieux. Je préfère un Ahmed Touba de 23 ans qui va encore progresser et qui a déjà un niveau correct. Un Bédaran qui, pour moi, est très bon. Bédaran, il est très très bon de la tête, dans les airs, dans la relance, etc. C'est largement au-dessus de Mehdi Tarrat, pour moi en tout cas. Voilà. Ensuite, sinon, voilà, j'ai mis une petite croix sur Ayoub Abdelhaoui parce que il était bon à l'époque, il y a quelques 4-5 ans en arrière, par rapport à son âge, mais pour moi, il n'a pas progressé depuis. Il n'a aucune progression depuis. Il a très très peu progressé. On dirait que déjà à 23 ans, il était quasi à son max. À 23 ans, il était bon. On aurait dit qu'il aurait pu bien progresser, mais finalement, non, ça n'a rien donné. Zéphane, alors Zéphane.
J'ai mis une croix parce que pour moi, je ferme pas la porte. Il faut quand même dire qu'il a fait quand même une bonne canne. Hein. Il a remplacé Attal, ce n'était pas rien. Et il a fait le job. Donc pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut avoir mieux quand même. Côté droit, on peut chercher mieux, on peut avoir mieux, on peut avoir de la jeunesse et préparer l'avenir tranquillement tout en conservant de l'expérience avec Mandy Benamri. On a Ben Sebaini sur le côté gauche. On a toujours un Feghouli qui va être en relais droit avec beaucoup d'expérience, qui va beaucoup redescendre. Donc voilà, on a ce qu'il faut pour aider les jeunes à évoluer dans ce poste d'ailier droit tout en étant couvert par l'expérience des anciens quoi. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi là s'obstiner avec Mithy Sefen qui n'a pas un excellent niveau, qui c'est un bon joueur, franchement il a bien dépanné, il a le niveau, on reproche rien à son niveau de l'implication au niveau de l'Algérie, ça y a rien à dire. Moi je préfère mille fois ça que certains qui sont beaucoup plus forts mais qui sont venus parce qu'ils n'ont pas été pris par l'équipe de France, etc. Moi, je préfère mille fois ça. Mais maintenant, je pense qu'il est temps, ces joueurs-là, totalement de changer, d'amener autre chose, de ne plus les appeler du tout, de leur dire, voilà, vous avez fait votre temps, à part si vous revenez à un excellent niveau, je sais pas, vous faites une saison monstrueuse, je sais pas, je dis n'importe quoi, Tahar qui vient, mais 5 buts dans son championnat, je sais pas, il est très bon de la tête d'un coup, voilà, comme Ben Sebaini le serait par exemple, ou etc., pourquoi pas, mais là, non. Adeline Guedjura, milieu de terrain, Adeline Guedjura, vraie vraie question. Jamel Ben Madi s'obstine avec Adeline Guedjura. Match catastrophique face à la Zambie, dernier match, tous les derniers matchs qu'il a fait depuis la CAN, catastrophique de A à Z. Adeline Guedjura a fait un effort colossal sur la CAN. Il a été au-dessus des espérances, mais mille fois au-dessus des espérances. C'est un joueur qui aime l'Algérie, il a toujours été impliqué, mais c'est pas un monstre. Voilà, il est bon en Afrique, il peut être bon, il peut dépanner. Il a toujours été là pour ça, pour dépanner, pour faire des matchs dans son rôle, dans le rôle qu'il doit être à la CAN. C'est ce qu'il a fait tout en ayant cette surprenante capacité de relance et de passe, mais depuis, c'est catastrophique. Là, c'était la pression de la CAN, l'envie de jouer, l'envie de gagner, ce qu'il leur a inculqué Belmadi. On aurait dit un Adeline Guedjura en CN3. Ce qu'il a fait, c'était extraordinaire, mais il ne le refera plus. Stop maintenant. Maintenant, stop. Merci et adieu. Merci et adieu. Voilà, il faut passer à autre chose. Et à la rigueur, j'ai dit, le faire venir toujours dans les 23, mais le faire rentrer dans les 15 dernières minutes, ce que Ben Madi a du mal à faire rentrer un défenseur ou un milieu vraiment défensif dans un rôle de juste harceler le porteur de balle, défendre, faire des fautes intelligentes, etc. Ben Madi, il a du mal au niveau du coaching à faire rentrer un joueur défensif. Je ne sais pas pourquoi. Ça nous a coûté deux fois la victoire sur le match face au Mexique et face à une autre fois aussi une victoire. On a fait un match nul à la place. Si Jamel Belmadi se contente de ça, je ne pense pas. Mais en tout cas, il a du mal avec ça, je trouve en tout cas. Pour moi, Jamel Belmadi n'est pas intouchable. Ce n'est pas parce qu'il a gagné la CAN qu'il doit être intouchable et que tout ce qu'il fait, ça doit être bien et qu'on n'a rien à dire en tant que supporter et qu'on ne peut pas donner notre avis et que sous prétexte qu'il aurait gagné la CAN. Tout ce qu'il ferait, même s'il mettrait Raïssa Boulhi en attaquant, ça serait bien. Non, ça c'est quelqu'un qui n'aime pas le foot, alors qui n'aime pas le beau jeu, qui n'aime pas avoir des belles choses, qui va dire ça et qui va aveuglément suivre ce qu'on lui dit sans réfléchir ou sans s'y connaître. En tout cas, pour moi, c'est suivant. Next, je pense que voilà, on a Abeid, on a Benacer, on a le nouveau Zerouki qui est venu, on a Zorgan qui est très 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 bon, on a Boudaoui quand il n'était pas blessé, il était en train de devenir excellent avec Nice, placé dans son vrai poste, il est en train de montrer ce qu'il valait parce qu'on lui a donné la chance dans son poste. Voilà, on a de quoi faire. On a Feghouli en relayeur, on a Belkebla qui est correct. On a d'autres joueurs, on a d'autres joueurs, on a Ben Guide, Ben Depka. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à tester. Beaucoup, énormément à tester. Donc je ne comprends pas ce qu'il fait encore là, honnêtement, sincèrement. Et c'est pas contre lui parce que j'aime beaucoup Adeline Guedjura, mais au bout d'un moment, stop. Et en attaquant, à grande surprise, la venue d'Hilal Soudani. Hilal Soudani, 33 ans. Pourquoi?
Pourquoi le faire venir à 33 ans? Qu'est-ce qu'on prépare avec Belmadi? Des fois, j'ai du mal à comprendre. On prépare quoi? On prépare l'avenir ou on prépare pas l'avenir? J'ai l'impression qu'on prépare pas l'avenir. Jamel Belmadi fait compétition après compétition et le jour où tout le monde va arriver à la limite, il saura plus quoi faire. Et là, on va retrouver un niveau qui sera très très moyen. On va perdre en quart, on va s'en contenter. L'année prochaine, on pense que ça va aller mieux, que c'est une erreur de parcours. Et on va reperdre en quart ou en huitième, etc. Parce qu'il n'aura pas fait venir les joueurs qu'il faut tout doucement, petit à petit. Donc, à ne rien comprendre sur ça. Voilà. Ensuite, sinon, Darfalou, j'ai mis une croix parce que bon, il met des buts. Il fait des saisons correctes. Mais sincèrement, on a Bounedjah Slimani. Delors, là, apparemment, il y aura un petit souci avec Delors, donc je ne sais pas. Mais je pense faire qu'on a besoin de plus. Pour moi, si on a Bounedjah Slimani, c'est largement suffisant. On a même pas, on peut faire venir un Delors en troisième, mais à l'arrière, même si on s'en passe, c'est pas, veut dire, catastrophique. On n'a pas besoin d'Arfalou. Je préfère faire venir un autre joueur, un ailier, des Boussouf, des joueurs offensifs, etc., des pépites en Algérie ou des pépites qui sont partis s'expatrier sur le championnat tunisien, ou etc., que faire venir d'Arfalou. Contre qui j'ai rien, contre qui c'est exporté en Europe, c'est très bien, beaucoup de volonté. Il montre de quoi il est capable, mais il n'est pas au niveau de Bounedjah et Slimani, donc je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà les gars, c'était juste pour vous partager mon point de vue sur des fois les incohérences des choix de Belmadi. Selon moi, une obstination. S'obstiner à choisir des joueurs, je ne comprends pas pourquoi, alors qu'on peut tester et voir s'il y a mieux, et je sais qu'il y a mieux à 1000%, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, c'était simplement pour vous partager ça. On se retrouve tout à l'heure ce soir pour l'analyse avant-match ou du match à venir. On va parler un peu de moi, quelle compo j'aimerais voir, quelle compo sera peut-être plus probable, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis là sur ce que je viens de dire, les gars. Est-ce que vous pensez pareil que moi? Non. Pourquoi? Est-ce que vous voyez autrement? Est-ce que vous voyez comme Belmadi? Je sais pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.